projection rapide à présent des joueurs de Dunkerque avec Guillaume Bosca. Toujours le retour sur son pied gauche, la frappe de Bosca, elle est cadrée et la belle envolée signée Simon Lugier. Le renversement de jeu vers Masson. Bosca pour Boudou, il est dans une bonne position, Boudou. Et il marque un but de génie, Dimitri Boudou, il marche sur l'eau. Actuellement, le milieu de terrain de cette équipe de Dunkerque, c'est déjà son 7e but de la saison. Tout est parfait, la réalisation et la finalité. Superbe. Pour retrouver Duterte, le bon ballon, le bon centre. Et pénalty. Et pénalty sifflé. Garita s'est arrêté par Maravel. Il y a beaucoup de monde dans cette surface de réparation et devant le but. Il se relève. Un cadeau superbe. La passe pour trouver Saïdi Daza. La première tentative. Eh bien, c'est la bonne. Saïdi Daza qui vient de rentrer en jeu et qui permet à Boulogne de se relancer complètement dans ce derby. Et c'est un choix payant, un double choix payant. Il le sert sur une conduite de balle où le ballon lui reste très proche du pied. Il est capable d'enchaîner derrière par une frappe qui va surprendre le gardien. Une frappe croisée. Et attention, Agarita qui a été lancé en profondeur. Et la sortie de Maraval qui va être sanctionné. C'est une fin de match complètement folle. Pas de pénalty. Mais un carton rouge direct pour le gardien de Dunkerque. Là aussi, il y a de la hauteur. On voit Wilson Isidore. On voit également la présence de Grégory Gendré. Ça va être justement pris au premier poteau. Au deuxième plutôt. Avec l'ouverture du score pour le Stade Lavallois. Ouverture du score après 22 minutes de jeu. Grégory Gendré toujours bien placé. Et c'est Grégory Gendré. Il avait marqué déjà il y a deux semaines face à Concarneau. On avait de Bourg-en-Bresse où il a... Il a également connu la Ligue 2 pendant deux saisons. Et attention parce que là, il peut y avoir une possibilité avec Anthony Robic qui est passé. Anthony Robic face à Anthony Boeuf. Et le deuxième but, c'est signé Anthony Robic. Le deuxième but pour le Stade Lavallois avec le très très bon travail de l'ancien joueur de Nancy qui va éliminer son vis-à-vis et qui va aller battre de près le portier d'Avranches. Ça fait donc 2-0. Et pourquoi pas un troisième but? Et pourquoi pas un troisième but maintenant avec Robert Ma qui est parti. Robert Ma face à Sébastien Boeuf, c'est très bien fait. Ça fait 3, c'est signé de Robert Ma, son deuxième but cette saison. 3-0, ça commence à devenir lourd quand même pour Avranches. Mathias Fischer, le centre de Mathias Fischer vers Otman Dadoun qui peut rejouer derrière avec Maxime Loss, c'est très bien joué. Ça a été contré là-dessus, derrière Guilavogui qui peut rejouer second poteau. Brandon Agounon, l'ouverture du score pour Villefranche. Brandon Agounon qui vient marquer l'ouverture du score pour le FC Villefranche Beaujolais. Allez, provoquer, il y a du monde, il y a Brandon Agounon qui est au second poteau. Là, il y a eu un contact, il y a eu un contact et il y a pénalty qui va le marquer. Est-ce que c'est blanc? Ça va aller au fond, ça fait 2-0 pour le FC Villefranche Beaujolais. Avec le but du capitaine Maxime Blanc, tout en sérénité, le capitaine qui vient marquer. Les joueurs cadeaux, il va vite, Timothée Toflib, il va vite, et également Alexandre Durimel. Durimel avec Toflib, il y a peut-être un ballon qui va pouvoir être joué avec, oui, Brandon Agounon. Là, non, la frappe est 3-0. 3-0, c'est un contre d'école. Et au fond des filets, c'est le but de Mohamed Guilavogui. 3-0 pour le FCVB, Timothée Toflib, et derrière. Guilavogui, 3-0 pour le FCVB. On va suivre quand même cette action là avec Guilavogui qui part au but. Guilavogui qui reste debout, qui peut jouer avec Otman Dadoun. Otman Dadoun qui essaye de passer Otman Dadoun une fois, Otman Dadoun deux fois, qui a pu la rejouer. Guilavogui et 4-0. 4-0 pour le FCVB. Et le doublé pour Mohamed Guilavogui. Il a été un petit peu contré. Milus Savievic qui est trompé. Et ça fait 4-0 pour Villefranche. Côté long dégagement dans la profondeur avec pourquoi pas Otsumo. Otsumo qui a pu le resservir son coéquipier. C'est bien joué ce jeu et ça va être un but pour Bastia. Le jeu à 3 très bien trouvé. Otsumo, Grimaldi et à la conclusion, c'est je crois que c'est Pento qui marque ce premier but pour Bastia. Et Jason Bayon là qui récupère ce ballon, on est à l'entrée de la surface. Le centre, attention il est dévié. Ouais, Diallo qui manque sa reprise et il y aura un pénalty il me semble. Et il y a un carton rouge de sortie. Et c'est parti, Mogdad face à Basilio. Et de l'autre côté, ça fait un but à 0 cette fois pour l'US Créteil Lusitanos après 9 minutes de jeu. Et Diallo, l'accélération magnifique. Diallo qui va rentrer à la surface, le bon centre. Et Mogdad, le deuxième but pour Créteil, le doublé
signé Abdelmalek Mogdad de Danilson Da Cruz. Jason Bayon, oh, c'est bien parti la tête, oui. Et le troisième but. Le troisième but pour Créteil, et justement, il s'est fait justice lui-même. Zakaria Belkouch, le troisième but pour Créteil. Et Mamadou Diallo, Fabio Pereira qui a continué. Diallo qui rentre sur son pied gauche, qui donne à Pereira, c'est bien fait. Pereira, le quatrième but. Magnifique, Fabio Pereira qui vient conclure cette magnifique action où il est au départ, il est à l'arrivée, le Portugais. Et c'est bien Bernauer hein, qui occupe le milieu de terrain. Oh, attention, on va pas se manquer la main, il y aura pénalty. Et le but, le petit filet est magnifique. Et ça fait 4 buts à 1. Concarneau qui revient un petit peu dans la partie. Allez, le long ballon là, attention, ça va revenir. La frappe des raisons, elle est manquée, mais oh, c'est peut-être pas fini. Ouais, oh, le deuxième but. Le deuxième but pour Concarneau. Un petit peu. Alors, je vais pas dire contre le cours du jeu, mais qui a surpris un petit peu toute la défense. Au premier poteau, la déviation. Oh, joué, but. Le but. Et c'est encore Achille Anani. Incroyable. Et la reprise de volée. Faut pas la perdre celle-ci. Atik, il lance Ndika. Ndika, le petit ballon. Et ça fait but. Atik pour Ndika. Ndika qui marque. Le meilleur passeur du championnat encore frappé. Sixième passe décisive pour Sofiane Atik. Avec Gomel qui va peut-être pouvoir déclencher quelque chose. Gomel dans la surface. Oh, la parade de Mathieu Pichot. Les joueurs de Cholet qui vont peut-être trouver quelques petites solutions. Et alors que fait ça. Oh là là, quelle erreur. Oh, j'ai raté du coup. Que s'est-il passé? Quelle erreur. C'est droit à Sofiane Atik. Sofiane Atik qui va s'appliquer pour la mettre vers la surface. Aux étrouettes. Et Krejci, Kader Krejci qui vient marquer le but du 3-1. Et Bourg-en-Bresse qui reprend de longueur d'avance dans cette partie. Oh, quel service. Il avait cherché le premier poteau lors de sa précédente tentative. Et bien il va allonger au point de pénalty. Il est parfait ce coup de tête de la part de Lamor qui vient ouvrir la marque ici au Stade Bauer. 1 but à 0 désormais pour les Odoniens. Traoré, ah, il y a un espace, il l'a vu. Il a cherché Gaëtan Laura. Oh, Lamor est en deux temps. Et pénalty pour la faute de Lamor qui va prendre son deuxième carton jaune en plus. Vincent, il avait été coupable de la faute tout à l'heure, ça va être le rouge pour Jimmy Lamor. C'était le héros jusqu'à présent de cette soirée, l'homme qui avait ouvert la marque. Chacharo, ce qu'il fait, c'est marrant, ça y est. Il navigue un peu sur sa ligne. Comme Jerzy Dudek en son temps. Gaëtan Laura face à Charweo. Ah, bah c'est à côté. Et bah c'est à côté, mon cher Vincent. Et QRM n'égalisera pas sur ce coup. Encore un bon relais du côté de... Gomis, ça c'est un bon temps, Gomis. Delgado. Et c'est le but. Oh, quel bijou. Quel bijou. Ce centre de Christophe Gomis. Ça c'est bon, il n'y a pas de pression en jeu. Moisili, André Ali, penalty. Oui, attention à la couleur du carton, Johan. André Ali. Pour l'exploit. Parade. La parade d'André Ali. Ouf. Alors là ça va être rouge. Ça va être rouge pour Gandhi. Un petit peu plus. Pour Yon Duchère. Bon, ça fait loin peut-être pour le frapper directement. Ou alors Bayal Sal. Bayal Sal Pierrot. Oh, frappe. Qui continue, Hachi. Ben c'est contré, attention. Et c'est clair. Et c'est l'égalisation. L'égalisation. Et voilà, ça te fait venir, cette égalisation. Et Mathieu Ezikian, un bon capitaine, qui vient remettre les équipes à égalité. Alexis Gendouza de... Attention, Romain Bayard là-bas, côté gauche. Il va essayer de centrer. C'est prolongé par bas pour Lamine Gueye. Et voilà l'ouverture du score. On l'a dit tout à l'heure, Lamine Gueye, c'est vraiment un diable. C'est le joueur le plus décisif de ce championnat national. Et sur ce centre de Romain Bayard, prolongé par Idriss Aba. Toute la semaine,
pas confiant plus que ça. Attention, c'est bien joué ça rapidement. Ah oui. Avec, et voilà, c'est l'égalisation. L'égalisation des Ponos. Magnifique coup franc joué rapidement par le capitaine Loïc Dufaux pour Chergui. Chergui qui ne se trompe pas. Mais c'est bien joué encore, Chergui là qui rentre dans la surface. Il provoque. Et il marque. Il donne l'avantage au Polo. Magnifique action sur cette touche. Il nous faut plus un peu à l'image du coup franc tout à l'heure. Les hommes de Roland Vira qui jouent rapidement. Mais c'est un Pono qui est à la retombée du ballon. Attention, encore une récupération. Deuxième chance. Et c'est le troisième but. Le troisième but, les Ponos qui font le break. Stupeur ici au nouveau stade du Pau FC. Attention, Lamine Gueye. Oui, qui s'appuie. Il est passé là-bas. Il est passé Lamine Gueye. Il croise sa frappe. Et il réduit le score. Il s'est bien appuyé sur Idriss Sabah pour relancer le Pau FC.